Dehors, il pleut, putain, c'est dégueulasse. Psych! De toute façon, on est en confinement, chacal. Pleut comme tu veux, on s'en tape. Oh, qu'est-ce qui se passe la famille, si c'est le chacal, vous savez déjà, c'est un classique, on est là. Back to the YouTube shit. Premièrement, avant de commencer la vidéo, quelques petites remarques. Comme vous voyez, là, je suis très actif sur YouTube et les chiffres sont en train d'augmenter. J'aime ça, j'aime. Juste remercier ceux qui sont actifs, les premiers commentaires, les premiers likes, ça me touche au cœur. Vous pouvez... Premièrement, si t'es nouveau sur la page, tu sais déjà quoi faire, tu t'abonnes, tu laisses un like, active la cloche des notifications qui va être juste ici. Yo, shut the fuck up! Ça va être la première fois que je fais ce genre de vidéo, alors je sais pas trop comment ça fonctionne. Je suis supposé répondre à des questions les plus honnêtes possible. Des questions que vous me posez sur Instagram. Récemment, je vous ai dit de me poser des questions sur Instagram, donc voilà, je vais répondre à ceux qui m'ont fait. Et ceux qui l'ont pas fait, ben, va là-bas, nique ta mère! Bref, on commence. Ok, il y en a pas mal. God damn it, je m'attendais pas à ça. De 4 à mine 3. Je veux créer des comptes que tu ailles le 4K sur YouTube. Merci chacal, on l'a déjà les putains de 4K. Comment tu te sens à présent? C'est une très bonne question à me poser ça parce que sincèrement en ce moment je me sens superbement bien. C'est bizarre à dire malgré que le monde est en train de barrer en couille. Il y a un virus qui est en train de tous nous tuer, mais moi sincèrement là en ce moment je me sens très bien. Être à la maison était quelque chose qui m'avait permis de prendre du temps pour moi en fait. Le matin je me réveille, je lis un livre. Ouais chacal, je lis des livres. Bizarre, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je m'entraîne, je regarde le ciel, je remercie Dieu d'être encore en vie. Voilà quoi. Pourquoi t'as 4 locks? Ouais, c'est vrai, j'en ai 4. C'était un délire personnel. Parce qu'au début, c'était 2. Mais bref, on va revenir à parler d'un truc que moi, je tiens à cœur. Et l'authenticité. Que ça soit dans mes contenus, que ça soit dans ma manière de parler, que ça soit dans ma créativité, dans n'importe quoi que je fais. J'aime ça, avoir de l'authenticité dans ce que je fais. Je veux pas toujours suivre la tendance que les autres font. Ce qui fonctionne le mieux pour les autres, les mettre pour moi, non. Je suis vraiment dans ma tête, à moi, dans ma bulle. Et je me dis, bon, chacal, en ce moment, t'es bête. Ça, ça fonctionne pour toi, alors fais ça. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et j'adapte toujours n'importe quoi dans mon personnage à moi. En ce moment, on parle du chacal, on parle des on parle des tantines, je sais pas quoi. Et là, c'est dans mes cheveux, c'est comme ça là. Mon rêve serait que dans 10 ans, tous les jeunes ont ça. Un rêve bête, notre rêve d'être millionnaire, mais ouais, moi c'est l'authenticité. Je kiffe. Comme Libé, comment tu fais pour être aussi drôle? Normalement, être dans la comédie n'a pas été voulu. C'est juste que naturellement dans ma tête c'est un bordel. Au départ c'était vraiment ça. Moi ce qui m'a toujours intéressé à faire c'est des courts-métrages. Comment je peux dire ça? Amener de la positivité aux gens. C'est-à-dire amener une manière de voir les choses autre que ce qu'on voit. Tout le monde est tellement tous... Comment je... Putain! Perds mes mots! En ce moment, on a tous tellement Non, putain. Et j'ai vraiment perdu le mot, là. En ce moment, on est tous submergés par plusieurs contenus, que ça soit mauvais, néfaste, je sais pas quoi. Moi, j'ai toujours voulu apporter quelque chose de bien. C'est-à-dire que je veux que quand quelqu'un voit ma tête, bah, que la personne se sente bien. C'est cute. Mais ouais, moi, c'est un kiff à moi. À la fin de la journée, je me dis, ça peut être dans la comédie, dans la musique, acting, faire de la danse. Je n'en ai rien à foutre. Tant que quelqu'un qui regarde ma vidéo se sent bien, moi, ça me fait mon kiff. Est-ce que toi, tu peurs les Covid-19? God damn, chacun. Toi, je pense que c'était une mauvaise idée de te couper l'école. Mais ouais, en ce moment, le Covid-19 fait peur à tout le monde. Tu sois président d'un pays ou bien athlète, je sais pas quoi. Chacal, c'est tous en train de nous enquiller. Donc ouais, sincèrement, j'ai peur. Au fait, j'ai plus peur de mes proches à moi. Tu vois, imagine que pas mon oncle le prenne. En plus, c'est ce qu'on dit, c'est les personnes les plus âgées qui sont le plus affectées. Donc ouais, moi j'ai peur là. C'est pas pour rien que ça fait presque 2 semaines que je suis chez moi. C'est parce que je veux pas que, je sais pas, ma mère le prenne, quelqu'un proche de moi le prenne par ma faute. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait tous ces sacrifices là, chacal. T'as compris? J'ai le Corona, t'en veux? J'ai une caisse bien froide. Est-ce que tu joues à Fortnite pendant le confinement? Malheureusement, je ne joue plus trop aux jeux vidéo et ça c'est quelque chose que je regrette le plus parce que le jeu vidéo c'est trop balle. Mais c'est juste chacun, j'ai plus trop le temps. Je sais pas trop quoi dire, mais ouais, j'aimerais. Je pense que de toute ma vie, je joue à 2 fois à Fortnite. Bizarre. Avant, je jouais tout le temps à FIFA, tout le temps j'étais dans mes jeux vidéo, mais là maintenant c'est chaud. Rester là pendant 1 heure jouer à un jeu vidéo, ah, c'est chaud. Tu penses que tu pourras tenir combien de jours en quarantaine? Yo chacun, sincèrement. Pas vous mentir, ça me fait plaisir de rester à la maison comme ça pendant 2 semaines. Mais à un moment donné quand même, on est des êtres humains, on a besoin de coller, on a besoin de s'enjailler. Si je reste encore 2 semaines de plus, je pense que là ça va être le bordel total. Mais jusqu'à maintenant, ouais, je pourrais, non, sincèrement, j'aime bien vivre avec moi-même, je me kiffe. Ah, je me trouve drôle, je me trouve bad et tout. Mais chacun, quand même. Pas pour, tu vois, mais voilà quoi. Tu reviens quand au Congo? Parce que nous, la Congo lexicomatisation, on veut te voir. Ah, j'aime ça.
suis arrivé ici au Canada quand j'avais l'âge de 12 ans, c'est-à-dire que ça fait un... ouais, ça fait plus de 8 ans que je suis allé au Congo, c'est très chaud. Et il y a un autre truc qui est encore fou, c'est qu'à ce qui paraît, il y a des gens, même au Congo, même en Afrique qui me regardent. Eh, je mérite, est-ce que je mérite ça? Je sais pas, je pense pas, non. C'est ça mon rêve aussi, c'est qu'un jour, qu'on soit tellement exporté internationalement, que j'ai mon équipe à moi, puis qu'on voyage, qu'on aille dans tous les pays, qu'on apporte du plaisir à tout le monde, qu'on fasse kiffer la Chacal Team, ouais, c'est bon. Oh, capable de nous faire un freestyle avec ta guitare ou pas? Oh Chacal, franchement, tu me prends pour qui? Ed Sheeran, c'était mon apprenti. Justin Bieber là et tout, c'est mes petits, je les ai... Écoutez, écoutez. Oh oui. Voilà, c'est tout, c'était Joël Esso. Tu vu quand tu pratiques le congolais? Alors pratiquer le congolais, ça demande beaucoup d'air, beaucoup d'expérience dans les domaines de la congolexicomatisation. C'est très difficile. Les gens pensent qu'être congolais, c'est facile. Non, chacun, on a plein de trucs qu'il faut vraiment travailler. Déjà, faut être fidèle. Je plaisante, je plaisante. Pourquoi tu réponds pas au message? Bof. Non, sincèrement, je réponds au message. Ça dépend de quel message. Sauf si tu m'écris salut, je vais pas te répondre parce que yo, chacun. Voilà quoi. Pourquoi tu ne coupes pas tes mèches? Je vais pas couper mes mèches. Parce que je kiffe des ouf. Comment tu vois la vie? Avec mes yeux. Tes projets à l'avenir. Moi, il y a plein de projets qui arrivent sur ma page. Je peux pas trop en parler, mais vous allez voir ça durant le mois qui arrive. Ça va être quelque chose de terrible. De terrible. Je peux pas trop parler, mais j'ai envie de parler, mais... Ça va être... Ça va... Voici Victo Power des Chicken Swell. Seulement 5 minutes d'écoute et vous obtiendrez ses abdominaux. Est-ce que tu peux faire beaucoup de vidéos pendant le confinement? Non. Tu vis dans quel quartier? Moi, j'habite dans le quartier de la street. Toute la street à Montréal, c'est moi, je suis là. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ben, moi, je suis dans la street. Voilà. Rase-toi la barbe. Chacun, tous les salons de coiffure ont fermé. Là, en ce moment-là, c'est la crise. Déjà, j'ai essayé de couper un peu la moustache. Mais là, la barbe, déjà, check. Déjà, avec mon âge, j'ai pas de barbe. Déjà, c'est chaud. Donc, me dis pas encore de raser ma barbe. Parce que là, t'es en train de m'insulter. Ta tête, là, on dirait du couscous. Est-ce que tu peux te teindre les cheveux en bleu? Yo, wallah, frère, j'allais les teindre en vert. Tu regardes quoi sur Netflix? Une série que je regarde bien, c'est Lucifer. Récemment, j'ai fini Peaky Blinders. C'est une folle série. J'adore le concept pendant c'est filmé. Ça va être peut-être banal, mais je regarde beaucoup Family Guy. Parce que c'est juste trop con. Ta mère. Maman? Comment trouves-tu l'inspiration pour faire tes vidéos? Ben c'est ça, vous pouvez demander à n'importe qui. Toutes les personnes à Montréal avec qui j'ai déjà filmé jusqu'à maintenant, 99% du temps, j'ai zéro idée pour faire une vidéo. C'est-à-dire, je vais dire à tout le monde, yo, viens Chacal, viens m'aider à faire une vidéo. Toi, viens, viens, viens. On arrive sur place, j'ai pas d'idée. Mais, je suis l'une des personnes qui filme le plus vite. C'est-à-dire qu'on arrive sur place, j'ai rien préparé. Et là, je regarde le décor, je dis, ok Chacal, on fait ça, 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 ça. Ok, parfait, on filme. Ah voilà, il y a la vidéo là. Ça me fait rire parce qu'il y a certaines personnes sur Instagram qui me disent wow, Joël, comment t'as pensé à ça? Ça t'a pris des jours pour faire ça, pour penser à ce concept, pour ça. Nah, chacal, nah. J'arrive sur place, je regarde. Je l'ai fait, c'est tout. Donc comme je vous dis, 100% ça vient de ma tête. Y a pas un processus, non, y a pas de script, rien là. Quand on en arrive et on filme. Vous savez quoi, en ce moment y a trop de questions. Donc c'est très chaud, je peux pas tout répondre. On va sûrement faire une autre vidéo sur ça. Mais ouais, ça me fait plaisir de répondre à mes questions comme ça. Comme ça au moins vous allez mieux me connaître. Parce que faire des vidéos sur Instagram c'est bien, mais on se connaît pas vraiment nécessairement. Mais vu que je suis sur YouTube, j'aime bien ça. Les vidéos sont plus longues, donc je peux dire n'importe quoi ce que je veux, sans restriction de temps. C'est à dire j'ai pas à faire une vidéo et je me dis ouais ça va juste être une minute, nah, chacal, on s'en bat les couilles si ça dure 20 minutes, on parle, on est là. Donc ouais, ça va être tout pour aujourd'hui. T'aimes la vidéo, tu sais déjà quoi faire, je vais pas trop parler par rapport à ça. Et les vidéos arrivent en abondance, abondifiées. Donc c'est tout pour moi la famille, on se retrouve sur une prochaine vidéo. T'aimes la vidéo, ouais c'est bon, si t'as pas aimé.